on voit quand même la protection du visage, qui est pas mal. On peut encore le parfaire avec une cagoule. Il y a un réglage de la capuche derrière et cette visière qu'on peut relever. Ou en tout cas, voilà. Voilà la veste Himalayan ou Himalaya de Simalp, qui est une grosse doudoune qui descend vraiment bas. Voilà, c'est la grosse protection thermique avec un garnissage en Simalof, c'est-à-dire c'est du Primalof, c'est du synthétique, mais il y a aussi des fibres végétales. Grosso modo, on va assimiler ça à du synthétique. Voilà, c'est une veste qui est largement dimensionnée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de garnissage, elle est bien équipée, elle taille très long, il y a une capuche qui est aussi très dimensionnée, voilà. Et alors, évidemment, on retrouve pour cette doudoune exactement la même équation qu'avec les duvets, c'est-à-dire cette équation entre la plume, le duvet, et puis le synthétique. Alors le synthétique, c'est plus pratique. Si on a des ambiances où il est mouillé, où il y a eu de la condensation, etc., il garde la quasi-totalité de ses propriétés isolantes, contrairement au duvet qui est beaucoup plus fragile. Maintenant, évidemment, le synthétique, c'est pas du duvet. C'est-à-dire que là, cette doudoune, elle va prendre une place comme ça dans le sac à dos, alors que du duvet, c'est beaucoup plus compressible. On va réduire de moitié au moins. Bon. Et le poids, évidemment, c'est beaucoup plus lourd qu'une veste en duvet. Mais c'est beaucoup moins cher à fabriquer, parce que le duvet de qualité, c'est très très cher à confectionner, à purifier, etc. Donc on a un vêtement qui est beaucoup plus abordable et beaucoup moins sensible aux variations d'humidité. Et c'est un vêtement là que je teste. Là tout de suite, il doit faire déjà moins 5, moins 10, c'est-à-dire que j'ai des chaussures d'Alpi dans lesquelles j'ai mis des semelles thermiques et j'ai pas spécialement chaud aux pieds. Donc on est déjà dans des conditions, disons, assez moyennes pour les gens qui pratiquent la montagne en hiver ou l'altitude. Voilà. Alors là, j'ai un t-shirt dessous et ça va, hein, ça va. Je suis à l'aise, évidemment, je ferme un peu pour que l'air ne rentre pas, mais je suis à l'aise. Là, je vais bivouaquer dans une cabane cette nuit. Et donc demain, nous allons partir pour ce genre d'univers là qui est quand même magnifique et glacé. Voilà. Et voilà la cabane.